du CSP Limoges avec Yegueté. Yegueté qui va trouver la solution. Ah, il est bien doublé, Jones. Yegueté, il est tout seul. Ah, il n'ose pas y aller, il va être bloqué. Énorme contre de Patton. 3 secondes. Allez, attention avec Kizlik. C'est manqué. Et bonne défense de Cholet, en tout cas avec cette remontée de balle pour Patton. Oh, immense, le touchdown. Eh oui, bien joué de la part de Justin Patton. Et un 6-0, la série en cours hein, pour Cholet face à Limoges. Eh oui, il va y aller. Ça va dunker. Ça va haut pour Justin Patton. Du Limoges CSP sur cette pression tout terrain. Il vient d'encaisser un panier et il prend une contre-attaque. Rodriguez qui va aller s'installer, qui redonne pour son shooter Nicolas Lang. Oula, là, complètement à côté. Et regardez, Patton. Le deuxième dunk sur contre-attaque. Deux fois. Les deux équipes ont un gros tempo. Alors, Ellis, on ressort pour Patton à 3 points. Non. Mais non. Deux remarques. C'est d'abord que Nicolas Lang n'a toujours marqué aucun point. Et puis, même si un Massimo en remplace un autre, c'est pas la même fougue hein, côté entraîneur. Je pense que Massimo Cancellieri aurait clairement du côté de Cholet. Et regardez encore une fois sur une remise en jeu. Les loupes de fou entre Boris Dallot. Mais oui, ils sont très faisants. Patton, attention, le aller ou par-dessus encore une fois. C'est bien joué. On sait qu'ils demandent beaucoup ces aller ou. Et on se fait piéger d'entrée de jeu. Allez, Lang, justement, on en parlait. Il faut qu'il aille enfoncer un peu le clou, le il contre. Il s'est attrapé par Patton. Oh, Yegueté qui reprend. Qui a envie de continuer à vibrer, surtout envie de revoir son équipe. Beaucoup plus sereine et dans Patton. Ce. Ouais, oh, il y va. Et lui, il est partout, lui. Hein. Lui, il climatise Beaublanc. Hein. Boris Dallot qui a feinté le shoot à 3 points avec Patton. Tranquille, il est tranquille, main gauche.